Et la victoire de Yvon Laverdure. Et naturellement, ça n'a pas plu à Charland qui vient de malmener l'arbitre. Il vient d'assoler littéralement l'arbitre dans le coin. Et il en profite pour malmener. Et c'est au tour de Rapone à se faire contrer par Charland. Rapone a voulu venir intervenir dans le ring. Il s'est fait contrer par Charland. Et Rapone est certainement assommé. Il est en bas du ring. Et c'est au tour de Léo Burke, son ennemi juré. Léo Burke, tout habillé, qui est en revenu sur le ring. Cassé avec ses chaussures. Fantastique, toutefois à la figure. La vengeance de Léo Burke a lieu maintenant devant les téléspectateurs. Et là, ce sont beaucoup de points. Il l'avait dit dans une interview. Eh bien, chers téléspectateurs, l'action ne manque pas. Et on peut voir les deux assassins du ring venir sortir Charland de cette mauvaise passe que Léo Burke était en train d'infliger à Charland. Alors, c'est la victoire du jeune Yvon Laverdure. Et là, c'est une confrontation. Léo Burke qui enlève sa veste et veut se battre contre Charland. Et Charland ne veut rien savoir. A-t-il remonté dans le ring? Il est accompagné des deux assassins, c'est-à-dire des joues de contre-martin. Et Martin qui retiennent Charland pour qu'il empêche de monter dans le ring. Et là, c'est l'arbitre. Charland veut monter dans le ring, il veut se battre. Les Burke est dans le ring en ce moment, voudrait se battre contre Charland. Eh bien, chers téléspectateurs, vous avez vu l'action qui s'est déroulée dans ce match. Encore une fois, Charland a voulu se battre déloyalement. Il est encouragé à l'extérieur du ring par MacDoug Lefebvre. Charles voudrait remonter dans la ring, mais c'est MacDoug Lefebvre et Frenchy Martin qui l'en empêchent et vont le ramener dans le vestiaire.